content de le présenter le dernier ce soir. OK, en fait, je me sens un petit peu comme un petit gars parce que moi, j'ai commencé à faire l'humour pas mal à cause de ce gars-là. En fait, c'est quoi? Toutes les jokes bitch que j'ai faites dans ma carrière, c'est un peu beaucoup à cause de son groupe à lui. C'est, écoute, il n'y a pas besoin de présentation. C'est un gars, vous le connaissez. On donne un tonnerre d'applaudissements pour Yves Pépeltier! En direct de nos studios, voici maintenant votre bulletin de nouvelles. Poulet sourd. États-Unis. Donald Trump a déclaré officiellement qu'il n'a pas de problème mental. Donald Trump désire plus rentrer en guerre avec Kim Jong-un. Canada. Justin Trudeau a rendu le pot et le can Abyss Lego pour oublier ses ennuis avec Netflix, l'ALENA et Sophie Grégoire. L'Alberta. Et la Colombie britannique sont en discussion par rapport au pipeline. Québec, le Parti québécois est en congrès. Manon Massé a rasé ce poignet avec Legault qui a répondu « Je suis fier de macaque. » Le Nouveau-Brunswick a une augmentation de malades mentaux à cause du People's Alliance. Économie. Les actions de Bombardier se sont stabilisées depuis que Airbus l'a secouru. Toronto. Le service des ordures a refusé de ramasser Doug Ford. Potin. Céline Dion et son danseur seraient en spectacle. Céline a le contrôle sur sa carrière. Elle profite de ses pilules et choisit ses vêtements. Pour terminer, Yves Pelletier vous remercie sincèrement d'être venu. Vous l'avez touché profondément.
Merci, c'est malheureusement le temps de décrisser. C'était Yves Pépeltier! Yves Pépeltier!